Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 79e édition. Donc je vous préviens, il va être assez short. Alors, ce que j'ai lu la semaine dernière, donc j'ai lu Pour un jour avec toi, qui est un coup de cœur. Pourtant, j'ai un petit peu hésité parce que c'était pas parfait, mais l'auteur a quand même réussi à me toucher en fait un peu tout au long du livre. Et l'histoire d'amour est tellement belle et tellement bien que voilà, pour moi je pense que ça rentre dans le coup de cœur. Le tome 2, j'ai hâte de le lire évidemment. Tome 2 est fin du coup. C'est que deux tomes. Alors, donc, Pour un jour avec toi, c'est quoi? Ça raconte en fait l'histoire d'une jeune fille, Allison, qui est un peu introvertie, qui a du mal à être spontanée, qui a du mal à prendre des risques, qui fait pas grand chose, qui sort même très peu, qui va pas picoler plus que de raison. Voilà, elle profite à sa façon, mais en retrait. Alors que sa meilleure amie est un petit peu plus, voilà, je sors, allez vas-y, je change de look, voilà, elle est plus spontanée justement. Et en fait, eh bien, un jour, Allison rencontre Willem. Alors Willem, waouh. Disons qu'on sait pas grand-chose sur lui, mais le peu, c'est vrai que c'est du point de vue quand même d'Allison, mais je trouve que c'est assez dur de pas tomber sous le charme. Il va l'aider un petit peu à sortir des sentiers battus, à faire des choses qu'elle ferait pas habituellement. Et c'est vrai que là, tout pète, quoi. D'un seul coup, dans son univers à elle, dans sa tête, dans sa vie, tout change. Elle remet beaucoup de choses en question, elle se remet en question. Et c'est vrai que c'est assez sympa à voir, et enfin à lire. Et du coup, voilà, ça nous permet, nous, de voyager aussi avec les protagonistes. Donc, du coup, on est principalement... Enfin, la partie la plus intéressante, c'est celle qui se situe à Paris. Et c'est vrai que c'est très sympa de le voir du point de vue d'Alison. Et ça rend vraiment cette ville belle, tout simplement. Moi, c'est vrai qu'en y allant régulièrement, bah, je la vois plus trop, on va dire. C'est normal, quoi, parce que quand on vit quelque part, voilà, on a du mal à voir son charme. Alors que c'est vrai que les gens qui viennent pour la première fois, qui ont toujours voulu y venir, quand ils nous arrivent, c'est waouh, ils en ont plein les yeux. Et c'est vrai que là, l'auteur réussit justement à nous montrer bien ça. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller s'y perdre un petit peu, je trouve. De faire comme Allison, de pointer une station au hasard et d'y aller, de visiter un petit peu, de se perdre. Et... Donc voilà, c'est vrai qu'on voyage pas mal, c'est assez sympa. Et puis en plus, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est beaucoup plus. Et de toute façon, l'histoire d'amour est très compliquée et en même temps, pas tellement. Enfin, c'est dur à expliquer. Mais du coup, c'est une belle histoire d'amour. Parce que c'est pas juste gnangnan, c'est pas juste deux jeunes qui se rencontrent et qui s'aiment et hop, tout est beau, tout est heureux. Pas du tout. Et en plus, la fin, c'est pas cool. C'est pas cool de nous laisser là-dessus, genre sur... Padam. Voilà, le tome 2 sort pas tout de suite. au niveau du tome 2, d'ailleurs, j'ai vu donc une date octobre de cette année, mais il me semble que c'est la version originale, pas la version française. Donc, voilà. Oh, alors, en fait, la semaine dernière, j'ai fait un peu ma feignasse. C'est-à-dire que après avoir fait la vidéo et avoir prévu de lire donc la cinquième vague, qui est toujours en pause, ben, en fait, j'ai pas lu pendant 3 ou 4 jours, je crois. Ouais, voilà. C'est vraiment selon les semaines. Hein. Il y a des moments où je peux enchaîner et d'autres. Donc, du coup, toujours en pause. Désolée. Et donc voilà, mon livre en cours. Et donc ma prochaine lecture, ce sera le tome 2 de la sélection, l'élite. Donc que j'ai bien hâte de découvrir parce que je me souviens quand même assez bien de la fin du tome 1. Et c'est vrai que j'avais été... Non, pas ça, non. Voilà. Donc voilà. Alors, deux choses. Trois choses.
Et c'est le temps que ça monte au cerveau, en fait. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un concours que j'ai lancé ce matin sur mon blog 50 nuances pour gagner, en fait, des marque-pages bijoux. Vous savez, des marque-pages avec des petites breloques, comme ça. Et avec des boucles d'oreilles, mais à l'effigie de la saga Fifty Shades, évidemment. Donc, ça dure pendant 15 jours. Voilà. Deuxième chose, je vais lancer un concours sur le fauteuil. Je ne sais pas quand exactement dans la semaine, mais probablement vendredi, je pense. Donc, oui, tant qu'à faire. Donc voilà, concours vendredi sur le fauteuil. Je vous laisse découvrir la surprise de ce que c'est. Et troisième chose, tout à l'heure, je vous ai mis un petit statut qui disait que j'étais en train de vous préparer une vidéo bonus et que j'en avais mal aux mains. Eh bien, je vais vous laisser découvrir. Soyez par contre un petit peu indulgents parce que j'en ai chié. Et je vous reprends après ça. Donc pour ceux qui ont reconnu, pour ceux qui n'ont pas reconnu plutôt, c'est la chanson Cup qui est tirée du film The It Girl avec Anna Kendrick, celle qui joue dans Twilight. Et donc, en fait, ça m'a pris hier soir, j'ai eu envie, voilà, je sais pas pourquoi, en fait j'ai eu envie de l'écouter, puis je me suis dit, mais attends, mais ça s'apprend. Et du coup, depuis hier soir, je suis là-dessus. Alors d'abord le rythme, et puis la chanson, c'est un petit peu le rythme. Et en fait, c'est super dur. C'est super dur parce que du coup, t'as le rythme vraiment dans la tête. Et en même temps, t'as la chanson qui est pas exactement, qui est pas voilà, au même rythme exact. Et du coup, c'est très très perturbant. Mais bon, donc voilà, je suis contente quand même d'avoir réussi à vous pondre un truc à peu près potable. Ne m'en voulez pas aussi, je chante un peu faux, je bafouille sur les paroles, ça dépend des moments. Il y a des fois où je connais très bien la chanson et des fois où... en plus, pour vous faire cette vidéo-là, je l'ai refaite X fois. À un moment, il y a mon mannequin qui m'est tombé dessus, carrément. Voilà, il a dû se dire que je chantais tellement faux qu'il fallait que j'arrête. Donc il avait décidé de se suicider. Voilà, sympa. Et bien voilà, c'est tout du coup. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!